Nous avons tous un ami qui adore raconter des histoires incroyables, mais qui n'a jamais de vidéo pour le prouver. Heureusement, ce n'est pas mon cas. Je suis vraiment sur le point de vous montrer les moments les plus incroyables jamais capturés par une caméra. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir raconter à tous vos amis ce que vous avez vu. Et cliquez sur la cloche. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Essayez de deviner qui ces sauveteurs ont sauvé d'après les sons provenant du bateau. C'est exact, ils viennent de libérer un tigre qui n'a même pas dit merci. Et ce serveur n'a pas de problème de flexibilité, mais il a définitivement de gros problèmes de confiance. Ces gens ont eu la meilleure excursion à la Tour Eiffel. Regardez les gars, j'ai attrapé un calamar. Tu es fou, y a rien là-dedans. Loser. Quand la devise de votre petit ami est ne jamais dévoiler son prochain mouvement. Ou alors certaines dames ont créé une nouvelle tendance dont mon thérapeute entendra bientôt parler. Tout le monde aime ramener des petits souvenirs de ses voyages, mais ce chauffeur est allé trop loin. Heureusement, personne n'a été blessé. Soyez prudent lorsque vous commandez une livraison de nourriture, parce que le correcteur orthographique pourrait changer steak en serpent. Heureusement qu'il a raté son coup et que tout le monde va bien. Ces gars ont été informés par leur patron qu'ils devaient travailler le week-end et en plus laver la voiture. Ils méritent vraiment le premier prix, l'équipe de l'année. C'est comme ça qu'un vrai professionnel pêche. Préparez-vous à compter. Non, on ne peut pas encore acheter un petit bonhomme comme ça au rayon des appâts, il faut faire avec. C'est un ver géant? Oh, attends, c'est juste une grosse explosion contrôlée pour creuser une tranchée de pipeline. Mais en 2022, je ne serais pas surpris. Et ce gars vient de trouver une faille dans la vie réelle. Et voici le combat le plus épique de l'histoire, Colombe contre Escalator. Attention, attention, il arrive. Attends, il ne tombe pas. Bah, je le savais, je ne faisais que tester. Ce Myozard peut vraiment jouer. Non, non, je ne veux pas la vérité, je veux croire. Je sais ce que vous pensez, ce ne serait pas cool si cette tour de 150 mètres s'écroulait tout de suite. C'est fait, il te reste deux vœux. Si les fantômes n'existaient pas, comment expliquez-vous ceci? Surveillez de près cette femme. Oui, c'est ça, j'appelle les SOS fantômes. Tu penses avoir eu une mauvaise journée au travail? Eh bien, ces ouvriers ont réussi à perdre l'énorme lune au milieu de la ville. Quand on super pouvoir, c'est d'être malchanceux. Et chanceux en même temps. Voici à quoi ressemble le temps le plus calme en Norvège. Seul celui qui est digne peut traverser cette rue. Vous savez que ce chihuahua a une nuit de folie parce que c'est ici qu'il s'est réveillé.
s'agit d'un festival ordinaire en Australie au cours duquel des pilotes professionnels s'affrontent pour savoir qui peut voler le plus bas au-dessus du quartier des affaires de Brisbane. Ce pilote a définitivement réussi l'école de pilotage dans GTA San Andreas avec de l'or. Une chose est sûre, il est temps pour les habitants de cette ville d'arrêter de nourrir les ratons laveurs. Ah bah attends, c'est pas un raton laveur ? Et maintenant le défi le plus difficile. Essayez de ne pas donner de pourboire à ce type. Vous allez maintenant apprendre comment les sapeurs se débarrassent des grenades sous-marines. Ce pilote d'hélicoptère est si bon qu'il peut même voler si les pales sont immobiles. What? Si vous savez quel code de triche il utilise, dites-le nous dans les commentaires. Si les chutes du Niagara ne vous impressionnent pas, allez voir la cascade de Chapa pendant la saison des pluies. Qui a besoin d'un service de remorquage quand on a un ami comme celui-ci? Une personne responsable comme toi, non? Lorsque le pilote de cet avion a réalisé qu'il n'aurait pas le temps de ralentir, il a immédiatement trouvé une solution professionnelle et a profité de quelques buissons à proximité. Ce qui compte, c'est que personne n'ait été blessé. Ce type pensait pouvoir éviter la foule en prenant l'escalator opposé, mais il a plutôt fait ses 10 000 pas quotidiens. Ces hommes sont partis en croisière, mais ont failli se retrouver dans la suite de Titanic. Les autoroutes en Chine sont tellement high-tech qu'elles ont même un lave-auto gratuit intégré. Pendant que votre petit ami pleure à cause de ce rouge à lèvres abîmé, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un vrai ou un faux ? Si Matrix avait été un western, voilà à quoi aurait ressemblé Neo. Non, mais j'adore les tortues, mais leur design a de sérieux défauts. Bah, au moins, elles ont l'esprit d'équipe. Hein. Penses-tu que ces scènes de dessins animés ne sont pas réalistes? Eh bien, cet homme ne partage pas cet avis. Regardez ce lâcher d'eau d'urgence sur le barrage de Glen Canyon. Il en sort suffisamment pour remplir une piscine olympique de 50 mètres de long toutes les deux secondes. Ce n'est rien comparé au fleuve jaune Xayolandi en crue. Si vous pensez avoir une chance à Vegas, regardez la foudre frapper cette bouche d'incendie deux fois. Parfois, même les meilleurs pilotes n'atterrissent pas très bien. Mais grâce à leur formation professionnelle, une grande tragédie a été évitée. Le moment gênant où vous achetez un billet pour le film Venom et où le vrai Venom apparaît. Les architectes de cette salle de concert ont eu carte blanche. Ils ont imaginé un énorme haricot gonflable. Génial! Ces pêcheurs se disputaient pour savoir si un aigle pouvait attraper un poisson à la volée. À quoi l'aigle répondit « Tiens, ma bière !» Cet homme a des bras si puissants qu'il peut même vaincre la gravité avec. Alors que les gens dépensent beaucoup d'argent pour les outils de pêche, les vrais professionnels le font de cette façon. Non.
No. Yes. Et après cette astuce, les barman lui donnent un pourboire. Si cette animation vous semble trop irréaliste, c'est que vous n'avez pas encore vu ce type. Nah. Les gars dans cette Bugatti 1000 chevaux pensaient qu'ils allaient vite, mais un mec dans une vieille BMW a reçu un texto de sa copine lui disant qu'elle était seule à la maison. Ce n'est pas parce que tu es remplaçant dans l'équipe que tu ne joues pas. Oh, quelle réception! Tout le monde pensait que le gars dans le kayak se battait pour la vie, mais il s'est avéré que c'est tout ce qu'il désirait. Attraper une vague. Il s'agit du film Car et voici un remake avec un motard dans le rôle principal. On dit que la galanterie s'est perdue, mais ce n'est pas le cas. Par contre, la voiture est morte. Alors que tout le monde repousse le cours de fin de journée à la salle de sport, ce gars-là repousse la gravité. C'est le skieur le plus cool de tous les temps, car il peut faire un tour de magie et devenir un snowboarder en même temps. Signaler ce type aux admins, car il utilise définitivement un code de triche M-Bot. Sérieusement, à la volée. Et voilà comment un employé de SpaceX en vacances ouvre une bière. Vous voulez voir Jack Sparrow à la retraite? Je suis désolé, Captain Jack Sparrow. C'est la nouvelle définition du mot équilibre. Voici une audition pour être animatrice d'une chaîne sportive. Nice. Bien sûr, votre BM sportive roule peut-être à 200 km/h, c'est plutôt cool. Mais place au vrai roi de la route. Si vous avez l'impression que rien ne peut vous surprendre en 2022, alors voici votre premier vrai super-héros. Ok, détendez-vous, ce type sait juste comment utiliser des aimants, une bobine Tesla et un générateur. Pour cette fille, les pistes cyclables ne sont qu'un trottoir supplémentaire, et voici pourquoi. Pourquoi ce type est vraiment cool sur la glace? Réponse dans 3, 2, 1... Bien sûr, la transmission intégrale Quattro est cool, mais les chevaux ont une transmission intégrale hors compétition. Préparez-vous pour l'équipe Slinky la plus synchronisée de tous les temps. Et voici la forme de Kung Fu la plus inoffensive du monde. Ce ratatouille voulait montrer au poulet qui était le patron, mais il ne savait pas que le poulet avait une ceinture noire en arts martiaux. Vous pensez peut-être que quelqu'un a failli tomber, mais en fait elle est totalement en sécurité. Vous voyez, elle porte un masque. Lorsque ce petit tracteur est venu à la rescousse, le chauffeur du camion a cru que c'était une blague. Mais c'est lui qui s'est avéré être la blague. L'équipe d'arrêt au stand de ce pilote n'avait qu'un seul marteau à partager entre eux, mais ce n'était pas du tout un problème.
Si vous aussi, vous pouvez arranger les choses d'un seul coup de poing, dites-le nous dans les commentaires. Lorsque vous engagez ce tireur d'élite, pas même une goutte de pluie ne peut s'approcher de vous. Apparemment, lorsque cette femme a eu la possibilité de choisir n'importe quel super pouvoir, elle a choisi la capacité de dessiner des cercles parfaits. Mais moi, j'irais à ce défilé de mode. Oh merde, ces critiques sont impossibles à impressionner. Avant de lui proposer un rendez-vous, il faut d'abord la battre au billard. Hein, c'est impossible. Ok, j'y retire tout ce que j'ai dit. Il y a vraiment des super-héros parmi nous. Si vous savez comment elle fait ça, dites-le moi dans les commentaires. Ce mec vit sa meilleure vie, c'est sûr. Oui. Pour certaines personnes, la remise des diplômes est le plus beau jour de leur vie. Mais pour cette femme, ce n'est que le début de la saison moto. On dirait qu'elle ne sait pas comment soulever correctement une barre. Mais non, en fait, c'est un exercice unique pour les jambes. Ce service n'est offert qu'avec la police d'assurance automobile premium. C'est la version vélo d'un Monster Truck. Cette fille est tellement incroyable en roller qu'elle doit être née avec eux au pied. La brochure disait que l'entraîneur utilisait les méthodes d'entraînement les plus inhabituelles. Eh bien, ce n'était pas un mensonge. Ce type a été banni de la NBA parce que personne ne peut mettre le ballon dans le filet s'il est contre lui. Et voici ce qui arrive quand on essaie de prendre un chasseur professionnel au dépourvu. Il n'y serait pas arrivé si cet ongle n'était pas en mode sport. Savez-vous à quel point il est difficile de faire atterrir un hélicoptère sur un bateau pendant une tempête comme celle-ci? Les pilotes ne le savaient pas non plus, mais ils ont eu de la chance. Quand vous conduisez un SUV, il est important de se rappeler que le véhicule s'en sortira, mais que votre vie est entre les mains de la chance. Ça me rappelle un peu Destination Finale. Qu'est-ce que cela signifie d'être un heureux perdant? Alors, cela signifie avoir une crise cardiaque pendant que vous êtes chez le cardiologue. C'est une façon intéressante d'atteindre l'immortalité. Savez-vous quand il est temps d'acheter des bitcoins? Eh bien, ce type ne le savait pas non plus et a manqué son jour de chance. Bruh. Et voici la fin secrète de How I Met Your Mother. Ce n'était pas ce que ce chasseur s'attendait à trouver lors de sa chasse à l'élan. Il a eu de la chance que deux tirs de sommation aient suffi à le sauver. La famille de cet homme ne pensait pas qu'il pourrait attraper un poisson, mais c'est arrivé. Mais j'aimerais vraiment connaître son histoire avec ce poisson. Ils m'ont dit, va à la pêche, c'est super relaxant. Allô chérie, je reviens, si je t'aidais un peu pour le ménage. Je parie que personne n'a prévenu ces pilotes de combat qu'ils allaient devoir voler entre la ligne à haute tension et la clôture. Et voici comment sont faits les records en Australie, la prise de Marlin. 82,5 kg, pas la plus facile.
Quand on roule à 200 km/h, tout freinage est un freinage d'urgence. Vous vous doutez que ces freins étaient un peu en feu. Voici un bon exemple de la raison pour laquelle les océans devraient aussi avoir des règles de circulation. C'était moins une. D'habitude, les gens doivent se donner beaucoup de mal pour sortir la barre d'or de la boîte. Mais ce type vient de le faire. Et il a pu ramener chez lui de l'or véritable. Cette fille a pris l'une des meilleures décisions de sa vie en choisissant la sécurité plutôt qu'une vidéo virale. Voici ce qui arrive quand vous tapez sur le dernier nerf de votre ange gardien. Elle pensait avoir accidentellement fait cuire son téléphone au barbecue. Mais seul le boîtier et le verre de protection ont été cuits. Est-ce que je dois l'appeler à point? Cet ours avait décidé d'attaquer un chasseur, mais essayez de deviner ce qui l'a fait changer d'avis. J'attends votre avis dans les commentaires. Ce gars a un partenaire vraiment unique pour ses cascades. Oui, un arbre. Nice. En raison de leur aérodynamisme et de leur légèreté, ces bateaux de course pouvaient se retourner à la moindre bosse. Mais ce coureur a voulu innover. C'est ce que j'appelle la publicité ciblée. Si votre coach de vie vous a dit que le sourire était la clé du succès, il vous a menti. N'essayez pas ceci à la maison, hein. Cette montagne mesure 3843 mètres de haut et un mauvais pas pourrait être votre dernier. Mais pas pour ce grimpeur, c'est le préféré de Dieu. Je suis sûr que vous devinez ce qui va se passer. C'est vrai, rien. Ce n'est pas une compilation des idiots de la route. Alors imaginez le conducteur qui rentre chez lui et qui dit à sa femme « Chérie, j'ai évité un Mi-24 sur l'autoroute ». Savez-vous pourquoi les voitures de la course Baja ont des suspensions si hautes? Eh oui, c'est vrai, c'est pour éviter les chiens. Allez, imaginez que vous avez tellement de chance en tant que pêcheur que même les poissons décident de rejoindre votre équipage. La seule chose qui a empêché cet alpiniste de faire une chute de 300 mètres était son piolet qui s'est enfoncé juste au bon moment. Good stuff. Je ne sais même plus ce qui est chanceux pour ce reporter, capturer ce moment incroyable ou ne pas être emporté par le courant. C'est le jour le plus heureux pour le propriétaire du bateau et le plus triste pour le crocodile affamé. Ce conducteur a ralenti juste à temps pour monter le volume de sa chanson préférée. It's a raining man, hallelujah, it's a raining man, amen. Voilà ce qui arrive quand vos compétences en matière de pêche sont un peu douteuses, mais que vous avez beaucoup de chance. Voilà ce qui arrive quand on sacrifie tout son argent de poche au dieu TikTok. Mais c'est Jennifer Lopez! Et voilà ce qui arrive quand tu descends une colline en luge alors que ton amoureux regarde pas. Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux que les animaux australiens? L'industrie automobile russe. J'aimerais pouvoir éviter la négativité aussi bien que ce type. Le fait du jour, un scooter pèse en moyenne 80 kg. Si j'étais cette femme, je n'ouvrirais pas la porte.
Imaginez la force que doit avoir un courant d'eau pour devenir une rivière de pierre. Vous êtes sur le point de découvrir à quelle vitesse une inondation peut envahir votre sous-sol. Mais quel cauchemar ! C'est important de rester calme pendant une inondation, et surtout de rester humain. Quand un typhon a commencé à faire tourner la flèche de la grue droit vers l'appartement de cet homme, tout ce qu'il pouvait faire était de croiser les doigts. Un porte-avions a été pris au milieu d'une tempête et la visibilité était quasiment nulle. Un pilote de chasse a dû faire un atterrissage en aveugle. Au passage, au vu de la quantité de moustaches, on pourrait croire que cette scène a été filmée dans les années 80. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Ah oui, mais j'ai dit deux fois, pas six fois. Oui, bon, ok, c'est pas grave. Non, ce n'est pas un filtre de Breaking Bad, mais la vue d'une ville depuis l'intérieur d'une tempête de sable. Le soleil disparaît tout simplement avec ses puissantes tempêtes, et on se retrouve alors à l'envers. Quand tu viens de sortir du lavage de voiture, mais aucun lavage de voiture du monde ne peut laver ton karma. Ce n'est pas un geyser, quelqu'un vient de commander la livraison de la pluie à sa maison. Mince, nous vivons littéralement dans les biomes de Minecraft. Vous vous souvenez que le jour du poisson d'avril, il y a 3 ans, Dieu a décidé de faire une farce en Malaisie ? Ceci, c'est pour tous ceux qui ont pensé se cacher de la pluie sur une grande roue. En fait, les manèges ne sont pas non plus le meilleur endroit pour se cacher. Un tremblement de terre de magnitude 1,1 a endommagé les valves de la centrale de Tarbella, déclenchant une décharge d'urgence. Un courant de 10 000 litres par seconde a alors dépassé le barrage de 140 mètres. Qu'est-ce qui pourrait être plus effrayant qu'un kraken en haute mer ? Une tornade qui se transforme en tourbillon ? C'est bien réel, hein ? Voici les gorges du Saut du Tigre et ce qui se passe pendant la mousson. Le fond de cette rivière est à environ 4 km de profondeur. Je ne peux pas imaginer un pire endroit pour tomber. Voldemort semble enfin avoir trouvé où vit Harry Potter. Il s'agit d'une crue soudaine et c'est un phénomène très rare dans le désert. Le conducteur du pick-up blanc n'était manifestement pas préparé et a dû improviser. On dirait qu'il croit en son camion plus que je ne crois en moi-même. Cela pourrait se produire dans une zone inondée en 2022 et personne ne serait surpris. Si vous savez ce que c'est, dites-le nous dans les commentaires. Tu as déjà vu comment une inondation peut emporter des motos et des voitures dans les rues, mais des trains entiers ? Jamais ? Rien de tel qu'une tempête de verglas pour prévenir des vols. Mais ne vous précipitez pas pour laisser votre voiture sur un talus par des températures négatives. Bien sûr, la pluie verglaçante peut rendre votre voiture blindée comme celle du président. Mais comment rentrer ? I'm strong like Hulk. Yes. Alors que les losers trouvent du pétrole dans leur jardin, ce vieil homme chanceux a trouvé une piscine géante remplie d'eau. Rien à voir ici, juste des kangourous qui sautent dans la neige, en Australie, en été. Les inondations n'apportent pas toujours la destruction, elles permettent à certaines personnes d'économiser de l'argent. Imaginez que vous allez en ville faire quelques courses par une journée ensoleillée et que vous vous retrouvez à l'épicentre d'un tsunami de glace. Imaginez que votre avion décolle, mais une tempête le fait sortir de la piste glacée. Personne n'a été blessé, tout le monde a été effrayé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre sous les arbres pendant l'orage.
Une inondation au Pakistan s'est avérée être si forte que tout obstacle sur son chemin est devenu un trampoline pour elle. Et voici la tempête la plus forte que le Japon ait connue au cours des 25 dernières années. Bon, maintenant, il est temps de revenir au moment ordinaire de nos vies ordinaires. Même si c'est difficile. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel est le moment que vous avez trouvé le plus étonnant et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Allez, à plus tard.